Mes chers amis, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de vous raconter l'histoire oubliée de Gabriel Monjané. Qui est Gabriel Monjané? Pourquoi est-il important de raconter son histoire? C'est pour très bientôt sur Développage Info Plus. Gabriel Monjané. Il est originaire de la Mozambique. Gabriel Monjané, l'homme le plus grand du monde. Mes chers amis, bonjour, bonsoir. Déjà bonne audition et je vous raconte l'histoire de Gabriel Monjané. L'homme le plus grand du monde est mort comme une bête de foire. Mes chers amis, c'est l'histoire oubliée de Gabriel Monjané, un Mozambicain qui mesurait 2,45 m. À la fin des années 80, il était l'homme le plus grand du monde. Durant la colonisation portugaise, Gabriel Monjané fut amené à Lisbonne, au Portugal, pour y être exposé dans des foires et dans des cirques comme un animal. Dès son arrivée au Portugal en 1969, il sera un objet de curiosité, exposé un peu partout. Les riches s'offrent même le privilège de l'exposer dans des événements privés. Il fut exposé et traité comme un animal. Il sera baladé dans plusieurs pays européens où il est exposé comme une bête de foire. À l'indépendance du Mozambique, obtenue de haute lutte par Somora Machel, il retourne au Mozambique finalement. Gabriel Monjané. Il revient au Portugal une seconde fois en 1979 et est toujours exposé comme un objet de curiosité. Au Colisée de Lisbonne, il tombe en essayant de monter les escaliers, ce qui lui causera de graves soucis à la jambe. Gabriel Monjané retourne au Portugal pour la dernière fois en septembre 1989 et est toujours exposé comme un animal comme un objet de curiosité. En 1990, une nouvelle chute dans la cour de sa maison lui a été fatale. Il décède 4 janvier 1990 à l'hôpital de Maputo à seulement 45 ans. C'est l'histoire fatale, c'est l'histoire oubliée de Gabriel Monjané.
Gabriel Monjané, 2,45 m. On vient de vous présenter l'histoire oubliée de Gabriel Monjané, le Mozambicain. Restez branchés avec Développage Info Plus et à très bientôt.